Eh ben salut tout le monde, c'est Sticky Rise et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc on se retrouve pour un walkthrough tout nouveau, tout beau, tout neuf sur Skyrim. C'était écrit tout à l'heure, mais je le répète parce que j'aime bien le dire, Skyrim. Enfin, je le prononce peut-être très mal, Skyrim. Bon, alors c'est un jeu que je n'ai pas réellement fait, c'est-à-dire que j'y ai joué pas mal, mais j'ai jamais fait la quête principale. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un walkthrough sur ce jeu, surtout que je vous l'avais promis l'année dernière et qui m'était complètement sorti de l'esprit. Et comme je me suis dit que j'annulais un jeu pour en refaire un nouveau, et moi je me suis dit que Skyrim ce serait le moment parfait pour le lancer. On est début janvier, on est en 2013, le jeu est sorti il y a 2 ans. Je suis un peu longué sur les bords. Non, il y a 1 an. Oui, il y a 1 an, on va dire qu'il est sorti en novembre 2011. Ouais, il y a un an à peu près qu'il est sorti. Et donc nous allons partir donc sur Skyrim pour un petit peu découvrir les plaines de Tamriel et tuer des chevaux, des ours, des loups, des méchants, des gentils, des enfants. Non, les enfants je peux pas les tuer, c'est vrai que j'ai pas mis le mode. Des gardes, des sauvages, peut-être couper du bois, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Enfin, je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais malheureusement j'ai jamais fait les quêtes principales, donc là on va s'attarder sur la quête principale et bien sûr je vais faire un petit peu les quêtes autour, voir ce qu'il y a. Alors je m'excuse déjà d'avance parce que la voix est assez basse dans le jeu. Je sais pas comment faire pour la monter, elle est déjà au maximum. Mais bizarrement je peux pas la baisser plus. D'ailleurs il y a un truc qui m'a toujours fait rire dans les Morrowind, c'est qu'à chaque fois qu'on commence Morrowind, on est un prisonnier. C'est-à-dire que moi j'ai fait les 3 Morrowind, enfin les 3 Elder Scrolls que j'ai fait, c'est Morrowind, Oblivion et Skyrim. Et dans les 3 là, et ben on commence en tant que prisonnier. Il me semble que dans Morrowind on arrive par bateau et qu'on doit aller se déclarer, etc. D'ailleurs on ressemble à rien. Ça m'a toujours surpris. On peut choisir sa race, etc. Le mec en face de lui a une entité. Une entité qui peut se créer soi-même, qui est assez drôle quand même. Dans un jeu qui se veut RP. Dans la logique de la chose, on devrait pouvoir créer sa classe un petit peu avant. Parce que là, on arrive devant le garde. Le garde te dit, mais qui êtes-vous? Attends, je choisis mon ethnie, je choisis ma race, je choisis ce que je veux faire dans la vie. D'accord? Je fais ça, tout ça devant toi. Hein. Et après, ça sera noté automatiquement dans les papiers, tu feras genre que je suis pas noté. Hein. Ça va bien marcher. ça m'a toujours fait rire. Un petit peu, bon, on va faire mea culpa là-dessus, parce que ça reste des jeux. Géniaux, hein. Morrowind, Oblivion et Skyrim sont 3 très bons jeux. D'un point de vue un petit peu... Enfin, je m'y connais pas trop en TES, enfin, The Elder Scrolls. J'ai connu Morrowind en 2000... Que je vous dise pas de bêtises, on était en quelle classe? 5ème, 4ème, je crois, je jouais avec un groupe d'amis. Oui, c'est une erreur. T'as volé un poney, mais c'est une erreur. et donc ouais, je devais avoir... Ouais, c'était en quatrième, ça devait être en 2004, j'avais 14-15 ans. Ah là là, j'étais trop, 13-14 ans à peu près. Donc ouais, 2003-2004 à peu près, si je dis pas de bêtises, sachant que le jeu est sorti en 2002, il me semble que je dis toujours pas de bêtises. Donc ouais, 2003-2004. Et donc, c'est vrai que j'avais adoré Morrowind et j'ai découvert Oblivion grâce à Dead Puppet qui m'a forcé à mettre dessus un petit peu. Enfin, il m'a pas forcé, mais quand tous mes amis se sont mis dessus, je me suis dit, bon allez, j'essaie de m'y foutre. Et je bim. Voilà, une flèche dans le genou. Et c'est fini. Alors là, regardez bien. Voilà, le mec m'a dit, qui êtes-vous? Et ben là, je choisis. Je sais qui je suis. Alors... Avant de commencer, j'avais déjà fait un premier enregistrement que j'ai foiré, j'étais parti sur un haut elf, et après je me suis dit, peut-être que pour changer un petit peu, je vais faire un Khajiit voleur, peut-être un Khajiit voleur, ou bien je repars sur un haut elf, qui va nous permettre de développer plus la magie. Mais dans les deux cas, je ne ferai pas de guerrier, parce que les guerriers, c'est un truc qui ne me tente pas du tout. Alors je pense partir soit sur un Khajiit, soit sur un haut elf, ou un elfe des bois. Je me tâte entre les deux, parce que le Khajiit est une race que j'ai jamais joué, que ce soit dans Morrowind, Oblivion ou dans... Dans Skyrim. Du coup, je me suis dit, on va faire une petite chatte toute mignonne. Regarde, on peut lui caresser la tête. On va lui caresser... Non. Je caresse ma petite chatte. Oh, c'est bien. Qu'on va appeler sûrement Mystigris. Bon, alors du coup, je pense que ouais, je vais partir sur un voleur.
Parce que les Khajiits, c'est pas beaucoup. C'est pas jouer des masses. Je pense que soit je pars sur un Khajiit, soit sur. Oh, je me tâtonne. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça va donner avec les armures, quoi. Bon, alors, on va partir sur un Khajiit, allez. On va choisir. Alors. Oh, celle-là est pas mal. Oh, j'aime bien celle-là aussi. Celle-là est sympathique, là. Foncé que bronzé. Bronzé, non. Foncé comme ça, c'est plutôt sympa. Là. Non, c'est trop marron. Et là, j'aime pas. Là, par contre, celle-ci, elle est pas mal. Celle-là, on dirait qu'elle est triste. Mais alors? On n'a pas eu ce petit Will Scott? Oh. D'ailleurs, en parlant de chat, j'ai vu une pub qui m'a fait rire, qui passe d'ailleurs à la télé. Je pense qu'on va partir sur celle-là, parce qu'elle a des grands yeux. On a envie de lui lancer une pelote de laine. Et de lui faire, allez, va chercher, va chercher. Par contre, ils l'ont fait grosse. Moi, je veux un petit chat. Hein. Un petit chaton. Un petit chaton tout mignon. Tac, aspect, on peut choisir l'aspect de la tête. Ouais. Et donc, oui, je reviens à mon histoire de pub. Ce qui m'a fait rire, c'est que maintenant, sur. Ah, d'accord, en fait, il n'y en a que deux. Oh, une tête un peu plus claire, ça la rend un peu plus mignonne. Ouais, voilà. D'ailleurs, on va pas lui en mettre. Peinture de guerre. Quoique. Ah, on peut lui mettre une petite peinture, genre des. Tiens, on va lui mettre ça. Voilà, on va lui mettre ça. Visage. Type nœud, elle est très bien comme ça. Les yeux, forme des yeux. Oh non, elle était bien avec ses gros yeux. On va lui remettre des gros yeux, parce qu'avec les gros yeux, elle était bien. Couleur des yeux, on va lui laisser jaune, à moins qu'il y en ait d'autres plus sympas. Alors, il y a quoi? Ouais, il y a des yeux bleus, les yeux blancs, les yeux orange et les yeux jaunes. J'aime bien les yeux orange, j'aime bien les yeux clairs aussi. Peut-être un petit bleu perçant comme ça. Ouais, un petit bleu clair, ça lui va bien. Sourcils, bon bah voilà, bouche et cheveux, on va voir s'il n'y a pas forme de la bouche. Non, et on va regarder la forme des cheveux un petit peu. Et donc, oui, dans cette pub, ce qui m'a fait rire, c'est que ils avaient mis. Justement, le nombre de calories dans une croquette, dans une des croquettes, une croquette du paquet. Je me suis dit, il y a 2 kilocalories, un truc comme ça. Je me suis dit, ah oui, quand même. On compte même les calories pour les animaux. Mais où va le monde? Où va le monde? De toute façon, un chat, sa place est seulement dans une litière. Il se nourrit dans les poubelles et il ferme sa gueule. C'est un petit peu un langage raciste des chats, mais je ne suis pas fan des chats. Voilà. Je suis désolé de vous l'avouer, je suis pas fan des chats. Bon, en attendant, on va choisir une coupe pour notre chaton. On va lui mettre, allez, des cheveux longs, ça. Ah, tiens, avec des perles partout, comme ça, c'est sympa. Enfin, avec des. Ouais, non, j'aime pas. Ça va, allez, vas-y. T'es très bien comme ça, couleur des cheveux, je peux te la choisir. En noir. Ouais, non, ça t'allait bien, ça. C'était plutôt sympa, ouais. T'as pas des plus longs par hasard, ou carrément rasés, genre. Comme les vrais chats. Ouais, celle-là. Moi j'aime bien les boucles d'oreilles en fait, c'est pour ça. Moi je veux que mon. Voilà. On va dire que c'est parfait. Hop! Comment on va l'appeler Misty Gris, tiens. Misty. Avec un E, parce que c'est une femelle. Vous faites partie d'une caravane commerciale? C'est étrange comme les Khajiits sont doués pour s'attirer des ennuis. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Voilà. Oubliez la liste. Je ne figure pas sur la liste. À vos ordres, capitaine. Salope là, qui me met sur le bio. Non mais pour qui est-ce pour Suivez le capitaine. En Elsewhere. Ah. Allez, en avant. Ah tiens, un dialogue entre les deux principaux chefs rivaux. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Voilà. Je vais regarder en l'air moi aussi pour faire genre. Ouais, c'est un pigeon. C'est une mouette. Une mouette bretonne qui s'est perdue. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Adieu, jeune homme. Allez, je n'ai pas toute la journée. Ah. Les ancêtres me sourient, Imperio. Pouvez-vous en dire autant? D'ailleurs, c'est vrai que dans Skyrim. Attendez, on va laisser la scène et. Quick! Ah, plus de rouquin. Voilà. On reste entre brun et blond. Voilà. Hein? Chien d'Imperio!
Voilà, Villod, il a dit justice. Or, qui est Villod? Eh, hey, j'ai un nom! J'ai un prénom! J'ai un prénom! Vous avez entendu? J'ai dit au suivant! Non, t'as dit au chat! Allez, au là, je me rappelle! Hein. Des insultes racistes! Hein? Est-ce que moi je te rappelle que toi t'es Renoir et que tu coupais du coton sur banc? Hein? Non, c'est méchant, c'est très méchant ce que je viens de dire. Je le retire, c'est pas vrai. Moi je suis un chat. Oh. Le voyez-vous? Il est dans les nuages. Par les yeux, un dragon! Comment est-ce possible? Ça, c'est la classe quand même. Oula, qui est pas ça? Qui est là? Salut, moi je suis un dragon. Allez, une chance. Vas-y, je te suis, mon ami. Je peux toujours pas regarder mon perso. Je peux pas ramasser ce que t'as toi, non. Vos mains sont entravées, hein. Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas les villages. Il est violent ce dragon, hein, il... Oui, vos mains sont entravées. Allez, vas-y, je te suis. On est parti. Allez, go go. Oh, oh la vache. Il a carrément été désingué le cadavre. Ah non, il est tout là-haut là. Chef, oui, chef. Oh, je fais des bruits bizarres, je fais. Je peux pousser ça? Non, je ne peux pas pousser ça. Bon, tant pis. Alors, par où je dois aller? Ouais, c'est hyper scripté là, j'ai juste à suivre la ligne droite quoi. Salut Advar. Ouh, je l'ai pas vu. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Ah, t'inquiète. Occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Advar. Ah, le petit vieux. Tu sais qu'il s'est pris un coup dans la gueule, enfin, il a perdu son œil gauche, le pauvre. Vas-y, je vous suis. Ouf. Oh, c'est vrai qu'il reste plus là. C'est vrai que c'est hyper impressionnant quand même. Quand le dernier Oblivion. Enfin, quand le dernier Elder Scrolls qu'on a joué, c'était Oblivion. Et où tout était hyper hyper robotique dans le sens où les actions sont vraiment robotiques quoi, c'est-à-dire que les hommes marchaient comme des robots. Là maintenant c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus... c'est moins mécanique, vous voyez, ça fait moins des gestes... Hors de mon chemin. On s'enfuit, Advar, et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce sera le plus. Ça fait pécho lui. A pu! A pu de dragon! Enfin, a pu de... non, j'ai pas envie de suivre là. On va aller voir les sombrages, comme je suis un voleur. Et ben, il me serait plus logique que j'aille vers les sombrages que vers les... que je sais plus comment ils s'appellent les gardes, les impériaux. Voilà. Ah. Vos mains sont entravées, mais... Ah mais il est là. Nous retrouverons un certain garde. D'accord. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Ouais. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Tu te mets du labello parce que t'as les lèvres vachement blanches quand même. Voir si je peux défaire ces liens. Tiens, regarde. Voilà. Ah c'est bon, j'ai plus les mains attachées. Ah mais j'avais oublié qu'ils avaient une petite queue les... Lignard ne va pas revenir dans... Voilà. Très bien. Mettez cette armure. Ok, alors on va s'équiper. Objet, tenue, botte de fourrure, cuirasse de sombrage.
faites quelques moulinets avec cette hache. Obligé, on va aller voir, j'ai oublié de m'équiper avec ma petite hache. Touk. On va s'équiper notre hache. Ok, donc R c'est pour ranger. Ah mais ça donne plutôt pas mal d'ailleurs, une cachette en armure c'est pas dégueulasse quoi. Bah, c'est plutôt humanoïde on va dire, c'est vrai que c'est... Bon bah, alors on fait comment? Hein? Je peux m'asseoir sur le petit... Non je peux pas m'asseoir. Ah d'accord. Vas-y je me cache derrière toi. Ah je peux pas te voler. Merde, impossible de voler cette personne. Tant pis. Allez viens là mon ami. Ah mais c'est la... Putain, saloperie qui a tué un chat là. Hein? Ah ma mignonne. Ah tu m'as fait mal. Tiens, bim! T'as vu ce qu'il te fait le chaton? Hein? Problème. Bon. Clé de la donjon Elgen. On va éviter de prendre les armures lourdes parce que je suis pas habilité pour. Je serais bien tenté par prendre l'épée ou la dague. Sachant que je veux me spé voleur, donc ça serait plutôt dague. Ou épée à une main d'ailleurs, je m'en souviens. On va prendre les deux, on sait jamais. Et lui il a pas un petit casque pour moi, genre. Armure légère. Ah elle est meilleure cette armure, on va la prendre. Plus 1, hop. Ah mais après on va me confondre avec une. On va me confondre avec une impériale. Oh c'est pas grave. Allez, impériale. Légère, impériale, casque léger, impérial et gantelet impériaux et nous allons prendre l'épée à une main, épée impériale, voilà, chlouk, et à quoi je ressemble? À quoi ressemble-t-on avec une armure? Oh mais ça va, ça donne un truc plutôt pas mal. Voilà, nickel, ça ouvre la porte. On va prendre les choux. J'espère qu'on va pas me prendre le chou. Désolé, c'était nul. Je la trouve rigolote quand même. Encore avec ma petite épée. Oh oh oh. Vas-y, casse tout mon ami, casse tout, fais-toi plaisir. Sans ce dragon, on n'abandonne jamais. Non. C'est un dragon, hein, c'est téméraire, c'est... Attends, vas-y, toi, je vais te choper par derrière mon ami. Ah merde, détecté. Viens là. Bim, je l'ai eu. Viens là toi. Tiens, un deuxième. Ouh, je suis violente quand même. Ah, je suis une cachette violente moi. Je suis une cachette violente moi. Je plante les humains. Tiens, hein. Pour toutes ces vidéos lolcats que vous avez fait sur nous. Ouais, je représente mon peuple. Terminé. Ouais. Ah. Vous nous avez humiliés en ninja, hein? Vous êtes foutus de nos gueules! Là, vous avez un vrai chat ninja en face de vous! Qu'est-ce que vous faites? Désolé. Et là, il y a des méchants, on va s'en occuper. On va essayer de sauver la blonde là. On l'a sauvé, tiens. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Laquelle? Ouais, bon, on va éviter de lire les bouquins parce que sérieux, ça va être. Je vais prendre une dague parce que j'en avais pas. Là-dedans, il y a quoi? Crochet, ponction de soins. Soldat des sombrages. Il n'a rien sur lui. Chez le tortionnaire, qu'est-ce qu'il avait? Armure impériale légère. Ah mais attendez. Ah c'est une version sans code de maille en fait. Moi oh, je préfère la version code de maille moi. C'est à quoi? Oh un petit bouclier, tiens, ça peut être sympa. Et une masse. Moi j'aime pas les masses. On va quand même prendre le bouclier. Histoire de... D'avoir un bouclier et de se défendre un petit peu. Ah le crochetage, je n'aime pas ça. On va dire que c'est mon jour de chance hein. Voilà, on a ramassé ce qu'il fallait. Là, c'est un peu la partie chiante du jeu. Le début est un peu relou. Mais après, c'est Rami, on pourra faire ce qu'on veut. Ah oui, les boucliers sont dans les tenues. Bouclier de fer. Voilà, je vais me prendre avec mon petit bouclier en main gauche.
attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Faut bien que j'aille par là, enfin. Ouais, ouais, c'est bien par là. Ces chiens d'Imperio, ils sont prêts à toutes les bassesses. Ouais. Mais toi, t'es la première asiatique que je croise, avec des yeux tout petits, tout mignons. Bon, continuons dans ce donjon. Enfin, petit, c'est plutôt. C'est même pas un donjon. Par contre, le mec ne me suit pas. Ah, il est déstabilisé, j'en profite. Et je cuic, ça t'apprendra mon ami. Allez vas-y, viens avec tes flèches, je vais mettre mon bouclier comme ça. Oui. Ah mais y'a un méchant là, t'es qui toi? Ah t'es un méchant, tu me viens. Voilà, je t'ai fait tomber, là, je peux m'occuper des archers. Ah y'a pas un truc là de feu? Non y'en a pas. Ah si y'en a un là. Oh mince. Les flèches ne... Le bouclier ne marche pas contre les flèches. Oh il m'a fait un retourné violent quand même. Ah mince, y'a l'autre qui est arrivé par derrière. Mais arrête! Mais il est où mon copain d'ailleurs au passage? Ouais, je l'ai eu. Maintenant, on va s'occuper de celui-là. Voilà, et maintenant, coup de grâce. Ah non, ça va être lui le coup de grâce. Ah bah vas-y, t'as qu'à venir quand j'ai fini le boulot, hein? Ah là là, c'est horrible ça. Bon, épée impériale, y'a personne qui a des flèches? Ah, chouette, lui il a des flèches. Et il y en a un que j'ai tué là-bas, il me semble, qui devrait avoir des flèches. Ah oui, qui est mort en position... qui est mort en position... comme les gens quand ils marquent un but. Comme les joueurs de foot quand ils marquent un but. Ils se mettent comme ça et ils glissent sur le sol. C'est d'ailleurs très sympa. Et lui, il a voulu faire la même chose. Mais... Mais bon, sur de la pierre, ça va pas faire du bien. Allez, j'active le machin, hop là. On se dépêche un petit peu, parce que ça, j'ai envie de le passer assez rapidement. C'est un peu énervant, c'est un peu... Enfin, c'est un petit peu longué, quoi. Quand on l'a fait déjà 4-5 fois, c'est... Passer par là. Putain, je vais m'équiper de mon arc, d'ailleurs, au passage. Comme ça, je vais pouvoir un peu faire objet, arc, arme, arc long... Et on va mettre aussi en favori l'épée impériale. Voilà et... Voilà et l'arc. Voilà, nickel. J'ai plus qu'à faire A. Arc long. Et si je fais A... Ah d'accord, j'ai que... Ah non, j'ai l'arc aussi. En... Enfin, j'ai le bouclier en même temps. Nickel. Ce que je voulais voir. C'est parfait. Alors, je triche un petit peu parce que je sais qu'il y a une petite bourse. Hop, prendre la petite bourse, voilà, une potion. Et dans ce squelette, il a quoi? De la farine d'os et de l'or. Ou est-ce qu'il l'a caché dans son squelette? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a caché, c'est un squelette très malien, très malien, très malin. On va ranger ça. Hop. Vas-y, on passe par là, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Et si je me souviens bien, ici il y a des araignées. Voilà, on va essayer de s'occuper de cette petite araignée là. Voilà, x2 dégâts, c'est bien. On a alerté sa copine qui est là-bas. Non. Oh, je l'ai loupé. Alors je sais plus si je peux récupérer les flèches après. Ouais, je l'ai eu. Bon, en fait, non, il les a toutes tuées. C'est nickel. Ah, il y en a d'autres qui débarquent. Allez, viens là, toi. On va peut-être s'équiper. De l'épée impériale et on va s'en occuper. Laisse-la moi. Voilà. Putain, il y a beaucoup plus de finish move. Hein. Depuis que j'ai mis mon jeu en pause, faut avouer que. Ouais, non, mais je comprends. Tu sais, moi aussi, je dis la même chose. Putain, il y a quelque chose peut-être là-haut, non? J'ai un œuf d'araignée, d'accord. Et tout là-haut. Y aurait-il point quelque chose? Non, il n'y a rien, d'accord. Ah, par contre là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un coffre. Je vais aller fouiller ça. Ah non, il y a juste un squelette et une masse d'armes. D'accord.
Dans le sac d'œuf, il y a un œuf d'araignée. Voilà, un œuf. Enfin, je l'ai pas pris, je ramasse. Et je ramasse encore l'œuf d'araignée. Et c'est parfait. Allez, vas-y, Elgan, hein, je te. Enfin, je sais plus comment tu t'appelles, toi. Ralof. Je te follow, Ralof. Je te follow, t'inquiète pas. Et. Ah oui, c'est vrai, là, il y a l'ours. Alors, ça, c'est rigolo. Voilà, comme ça je le renverse et je peux prendre la petite bourse. Valeur, tiens, ça a une valeur ça, je vais ramasser et revendre. Enfin. On m'a peut-être pas vu encore. J'en doute maintenant. Allez, viens. Ah, je l'ai massifé. J'ai Ralof qui l'a one shot. Voilà comment il l'a one shot. Direct, tu l'as fait. Brochette d'ours, mon pote. Et je prends ta peau en plus pour en faire une descente de lit. Ouh. Allez. Est-ce que je peux brûler si je marche là-dessus? Non. Allez, vas-y, go. Direction bord de ciel. It's over. On a terminé. Wouhou. Ah, bien des voies navigables en bord de ciel, abrite. J'ai pas le temps de lire. Sauvegarde automatique. Nous y sommes presque. Allons-y. Ah ben voilà, on est sorti, tu vois. Ah oui, il est là-bas, le dragon. Hey! Ah, mais il est disparu! Vas-y, je marche à côté de toi, ça fait stylé. Ma sœur Gerdure tient la scierie de Rivebois plus loin. C'est sûr qu'elle accepterait de nous aider. C'est vrai? Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Allez, vas-y, présente-moi ta sœur! Sans votre aide. Ah. C'est vrai que dans Skyrim, ce qu'on peut dire qui est assez impressionnant, c'est quand même l'univers, quoi. C'est beau, c'est... Hop là, j'attrape le papillon. Je suis un chat, hein. D'ailleurs, ça aurait été drôle qu'on puisse purger son chat un petit peu. Par exemple, vous voyez, c'est... on se mettrait accroupi comme ça, puis je serais en train de grignoter cette herbe, là. Je me purge comme ça, voilà. Ça aurait pu être sympa, mais... Mais non, il n'y a pas pensé, voilà. C'est quand même un besoin vital pour le chat. Non, ben non. Bon, allez, en avant. Allons à Elgen. Elgen, je crois d'ailleurs, oui, c'est comme ça, c'est bien Elgen. D'ailleurs, faut que j'aille là, moi. Il me semble que ici. Hop, je vais sauvegarder. Je suis pas trompé de toucher, bon, c'est F5. Hop, tombé, zoup là. Et on va activer la pierre de voleur. Allez où? Voilà. Voilà, comme ça la fertilité augmente 20% plus rapidement. Voilà. Tout mignon, tout plein. Et donc du coup, je serai un meilleur voleur plus rapidement. Voilà. Désolé, là j'ai une grosse chute de FPS, je sais pas ce qui se passe, ça va remonter d'un coup sûrement. Voilà, ça a monté d'un coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, attention, petite rechute. Petite remontée. Ouais, théoriquement, ça devrait rester fluide tout le stream. Pendant tout l'enregistrement, ça devrait rester fluide. Mais voilà, par moment, il y a quand même des petites... Il va y avoir quand même des petites chutes. Mais voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça, par exemple. Aïe. Saloperie de loup, la vache. Par contre, ta gueule, hein. Tiens, gamin. Je te porte avec mon bouclier, moi. Qu'est-ce que tu me cherches, là? Tiens, je récolte ta peau et tu la perds même pas. Saloperie. Oh, par contre... Ah oui, c'est vrai que j'avais mis un mode pour le sang. Pour qu'il y ait plus de sang. Voilà, c'est plus jovial, c'est plus... C'est plus joli. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, regardez. Regardez comme c'est joli.
C'est ça que j'avais quand même adoré dans Skyrim quand j'avais joué la première fois, c'est que j'avais trouvé ça vraiment magnifique quoi. La première fois que je l'ai vu, c'était sur 360 et c'était aussi beau. Au début, je me suis dit, ouais, 360 ça va donner un peu moins. Mais en fait, non, du tout. Et là, vraiment, le jeu est vraiment, vraiment beau quoi. Attends, je peux récolter des plantes. Et donc, c'est vrai qu'il était. Il est beau quoi. C'est beau, puis l'univers est vachement sympa et coordonné, c'est-à-dire que ça ne. Et dans le sens où ça reste coordonné, c'est-à-dire qu'on va pas se retrouver comme à l'époque, qui était un souci dans Morrowind par exemple. Il y avait diverses zones, il y avait une zone dans le désert, enfin une zone beaucoup plus désertique, une zone dans des marécages, une zone dans des temps, enfin dans des temps, dans des ruines, etc. Le truc qui était assez désagréable, c'est qu'on passait de l'un à l'autre, enfin d'une extrême à l'autre, d'un coup, c'est-à-dire qu'il y avait une ligne imaginaire, on l'a passé. Et donc, désolé, j'étais captivé par la poule et puis par les gamins qui, par la mère qui parle à son fils. Et donc, c'est vrai que c'était le truc assez désagréable dans le jeu, dans le sens où on passait d'un extrême à l'autre. Du genre, on se promenait dans le désert, on arrivait dans des ruines et ben d'un coup, boum, grosse fumée noire, ruines d'Edric un peu partout. Enfin, c'était pas des ruines d'Edric, c'était des ruines d'Wemmer un peu partout. L'ambiance changeait radicalement d'un coup. Là, maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus harmonieux et on passe de l'un à l'autre en s'en rendant compte quand même toujours, mais pas d'un coup. Bon. Vous venez d'arriver à Rivebois. Si vous cherchez du travail, allez voir Odd à la Syrie. Voilà. Non, non, non. Ah, vous me connaissez. C'est un ami. Il m'a dit que vous pourriez m'aider. Vraiment. Vous avez entendu dire que le fric. Ouais, il a été capturé. Ouais. Je ne pas le premier étranger venu prétend. Un dragon. Ailgen. C'est impossible. Ça expliquerait donc ce que j'ai vu arriver en volant par le sud et descendre la vallée. J'ai pensé avoir halluciné. C'est de pire. Le jarl. Bon, allez, blablabla. Informer le jarl Balgruf. Et tu peux pas me donner des provisions. Voilà. Assurément. Que se passe-t-il? Ah, je te prends tout. Et même de l'alcool, de l'hydromel. Voilà. Mais êtes-vous en lieu sûr ici? Les matériaux ne sont-ils pas à votre poursuite? Je vais bien, j'ai vu. Ah, la classe. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Ah, vous occupez pas de moi, hein. J'utilise la meule, tranquille. Absolument. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec la meule? Odd, j'ai besoin d'aide, ça ne prendra qu'une minute. Ah, j'ai fait ça. Ça demande du petit bois, mais j'ai pas de petit bois. Bon, on va arrêter. Où est-ce qu'il est? Il devait être là-haut, non? Ah oui, d'accord, il était là-haut. D'ailleurs, ça m'avait fait rire quand je vais trouver ça. Bon, c'est inutile, ça sert à rien. Mais je trouvais ça rigolo. Hey, salut toi, ça va? Attends, je reprends ton boulot 2 secondes. Et ben, on peut utiliser le tas de bois. Et ça m'avait fait rire. Il y a déjà du bois à couper. Ah. Ah, il y a déjà du bois à couper, ok. Alors comment je lance? Ah oui, il faut utiliser le machin. Alors c'est inutile, vous me direz. Moi je trouve ça rigolo, voilà. Hop. Ça accentue un petit peu le côté roleplay du jeu. Voilà, je suis un petit bûcheron. Je coupe un arbre en deux. Je fais les broutages parce qu'il n'y en a pas en fait. Ah si, il y en a, écoutez bien. Ouh. Ça l'ouvre en deux. Et voilà, et puis ça va tomber là, comme ça, voilà. Tac, et puis le truc il va se recharger. Ah, Skyrim, Skyrim. C'est beau, c'est vrai que c'est beau. Tiens, lui il a appuyé comme ça. Bonjour monsieur. Je peux vous aider? Tenez, vous boirez un verre. Vous avez de la bière ou de l'hydromel? Vous avez de la bière ou de l'hydromel? Non, j'ai que du vin Alto. Par contre, t'as les yeux complètement explosés, mon ami. Ah, bon. Allez, partons à la recherche un petit peu de.
faire un petit peu ce tuto un peu longué, un peu chiant, c'est vrai que c'est pas très agréable. Ah, et puis cette belle montagne quand même, c'est vrai que c'est tout beau, tout plein. Voilà. Là il y a une... Il y a un je sais pas quoi qui s'est envolé du sapin. C'est vivant, on a une flore vivante, c'est terriblement agréable. Là on peut regarder la biche. Et bah, il y a un cerf là-bas, tiens, on va le tuer. Oui, il n'y a pas d'intérêt à le tuer, moi j'aime bien tuer les cerfs. Là je peux mettre un coup de poing si je veux. Allez vas-y, on va essayer de le pécho le cerf là. Attends, il y a un lapin là. Attends, il m'a peut-être pas encore vu. Je vais me cacher comme ça. Il m'a pas vu. Hop, on va lui mettre une petite flèche. Ah mais si, il m'a vu. Pourtant, il n'y avait pas écrit détecté, quoi. Oh, il a carrément traversé le fleuve, quoi, le gamin. Hein, il est là. Ah, il y a même un lapin qui essaie de... Oh, regardez comme c'est mignon, le petit lapin. Il va se noyer, le pot. Attends, attends. Mais attends, c'est Pampan, wesh! Mais Bambi, attends-moi! Oh, il court pas assez vite. Oh bah. Il s'est téléporté, il a fait le. Ouh! Et il est arrivé là-bas! Bah voilà, on a croisé Bambi et Pampan. C'est plutôt sympathique et mignon. Voilà, hein, c'était le petit un moment. Le petit moment poétique de la vidéo. Et donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des loups, je vais me méfier. Sait-on jamais, peut-être que. Peut-être qu'un loup va me tomber sur le coin de la gueule. Allez, viens, mon ami. Si t'es un loup avec tes couilles, tu vas m'affronter. Mais si t'es pas un loup couillu, tu vas rester planqué. Alors, à première vue, non, il vient pas. Oh, attends, il y a un cerf là-bas. Ça, c'est mes talons de chaton, ça, je les repère à 2 km. Enfin, à 10 mètres là, mais ça, je peux repérer un cerf de loin. Attention, j'essaie de lui coller dans la tête. Je crois que la flèche elle est pas partie en fait. Non, bah. C'est bon, mes flèches elles partent pas. Je vais essayer, on resseille, on va réessayer. Oh, et vous avez vu ce qui s'est passé là, mes deux flèches sont parties l'une à côté de l'autre. Et d'un coup. Attends, on va réessayer pour me sur lui là. Alors cette fois-ci, elles partent bien d'un coup. J'ai gâché une flèche pour rien, on me dirait. En tout cas, ça enfuit. Mais ouais, les deux flèches sont parties l'une après l'autre, en fait. Enfin, j'ai tiré mes deux flèches, elles sont parties vachement en retard, quoi. Bon, bah, on va ramasser la peau de biche. Oui, la venaison. Par contre, je peux pas ramasser mes flèches, quoi. Je me suis fait couiller de deux flèches. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, du coup, bah, on va aller directement au... Non, mais ça, c'est beau, quand même. C'est vrai qu'il faut avouer un truc, même si je... Je suis pas fan de Skyrim, je... J'aime bien, mais sans plus. Même si là, c'est vide, etc. Pourtant, tout est à fond, hein. Je sais pas pourquoi c'est vide. Enfin, l'herbe ne s'affiche pas au loin, mais il faut avouer que ça, c'est beau, quand même. L'architecture du château... C'est vachement nordique, c'est vachement beau, moi j'adore. C'est quand je joue à Skyrim, c'est juste pour voilà, me retrouver dans des paysages comme ça et perdre mon temps ici. Ça me dérange pas du tout. On va ramasser un petit peu de lavande, parce que c'est bien la lavande. Comme ça je peux en mettre dans mes cheveux et ça sent bon. Hein. Ça me fait un shampoing à la lavande. Allez, en avant. On va ramasser encore de la lavande. Comme ça j'aurai les cheveux qui sentent bon. Un petit peu du dop, ça va être un petit peu de du dop ancestral. Qu'est-ce qu'ils ont tué? Oh! Voilà une bonne chose de fait, mais ce n'est pas grâce à vous. Ok, c'est pas grâce à moi, vas-y. Non, mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. C'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons. C'est un ordre si. Des guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Ah, c'est vous. D'accord. La récompense en vaut la peine. Ok. Voilà, ça n'a l'air qu'une perte de temps. Si vous pensez
Vous verrez à quoi ressemble un vrai guerrier. Oh, je suis un peu en affoute à quoi ressemble. Vous êtes robuste. Venez à Yorvast et devenez un compagnon. Le vent m'apporte l'odeur du sang. Une bonne chasse. C'est glauque quand même ce genre de truc. Eh hey, bonjour mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? À première vue, vu que je te parle et que tu me dis... Tu me lances pas avec dialogue, rien. Je vais pas m'attarder sur toi. Le taxi est toujours là, ouais, ça n'a pas changé. Ah oui, il faut toujours acheter ses chevaux. On va essayer d'en acheter un assez rapidement, cheval. Et puis qui sait, peut-être que par la suite, voilà, hein, j'aurai mon petit cheval. Petit cheval de compète, un pur sang arabe. Enfin là, on dirait plutôt les gros chevaux, là, les... Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des percherons, non? C'est des gros chevaux. Ouais, c'est ça, c'était des percherons. D'ailleurs, chose que j'avais pris en cours d'histoire il y a très 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 longtemps, c'était en 4ème ou en 5ème qu'on apprend l'histoire médiévale. Et ben, c'est que. La ville est fermée, bon, allez, vas-y. Ah, attendez, oui, voilà, garde un œil sur moi, y a pas de problème. Et donc, en fait, si vous voulez, à l'époque de la chevalerie, etc., etc., quand vous voyez un film sortir aujourd'hui avec des chevaux du style, qui sont des chevaux normaux, des chevaux normaux, excusez-moi, des chevaux de course, etc., si vous ne voyez pas des percherons, c'est que c'est un film mauvais, car à l'époque, ils avaient tous des percherons. Parce qu'il fallait avoir des putains de chevaux pour porter le bonhomme qui devait faire, à mon avis, bien 80-90 kilos, plus son armure de... allez, si j'ai une centaine de kilos, enfin... D'un autre chevalier, ouais, ça devait bien faire au moins 50 à 60 kilos facile, quoi. Hé, hey, y'a un racket, là. Donne-moi immédiatement 5 septimes ou je t'éclate le nez. 10 septimes demain, guerrier né. Sinon, je t'éclate le visage. Mais te laisse pas faire. S'il te plaît, j'ai vraiment pas de sous, Brett. Je te donnerai 10 septimes demain si tu veux. Mais me tape pas. Hé, hey, mais te laisse pas faire. Eh ben... Je sortais en cachette la nuit et j'essayais de renverser le gros bœuf, celui qui est dans la cour des grises toises. Mila et moi, on escaladait le toit de Fort Dragon pour aller chercher des œufs d'eau. Mais j'ai arrêté de faire tout ça. Mon père m'attrape tout le temps et j'ai des tas d'ennuis. D'accord, ouais. Vous vous éclatez. Et toi, que vous regardez? Vous me faites pas peur. Garçon, fille, chien, adulte, j'ai peur de personne. Ah mais t'as pas dit chat, moi je suis un chat. Cet imbécile de Lars Guerrier-né, on se bat tous les jours. Mais c'est pas tellement de la bagarre, parce qu'il se défend même pas. Ah, c'est une saloperie cette gamine, hein. Je vais lui régler son compte. Je vais mettre le mode pour tuer les enfants et je vais la zigouiller, la gamine. Je sais pas pour qui elle s'est pris. Mais en tout cas, on n'ennuie pas les petits garçons tout mignons comme lui. Bon, allez, on va aller voir le Jarl. Mais c'est qui ça? On raconte que Gaïen a été attaqué. Je m'en fous de toi. Du clan des guerriers nés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Je suis aussi nordique que les autres, mais je ne suis pas idiot. Je ne vis pas agrippé au passé comme tous ces gris toiles. Alors t'es qui toi? Pour l'or, imbécile, quoi d'autre? Tout est. Les gris d'accord. Ont des ramifications dans tout Blanche-Rive, mais. Nous aussi. Et l'autre aussi, du reste. Tout leur beau discours sur la fierté et l'honneur. Et qu'ont-ils à offrir? Ouais, je m'en fous. C'est bon, tu me saoules déjà. D'accord, il y a une guerre entre deux clans. À mon avis, il va falloir les aider dans une quête extérieure. Donc, en attendant, direction le Fort Dragon. Prévenons le Jarl d'un vilain dragon qui veut s'occuper de sa petite ville. Et qui me semble qu'il va m'envoyer dans un donjon à la con. Hey. Ah oui, Elise. Allez, viens, viens. Viens, viens, viens. Attends, je vais essayer de la troller. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Allez, viens, 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 viens. Viens. Hop, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh merde, excuse-moi. Allez, viens, 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 viens. Allez, vas-y, viens là, viens là, viens là, viens là, hop, hop, hop. Mais comment je t'ai grillé? Vas-y, je vais parler au Jarl vite fait. Eh bien, je présume que vous avez une chose d'importance vitale à me dire. Assez importante pour m'interrompre en plein conseil. Bah ouais.
Gerdur. Voilà. Il s'occupe de la Syrie, si je ne m'abuse. Voilà. Hein. Un pilier de la communauté. Elle ne fait pas de fantaisie. Elgen a été détruite par un dragon, c'est sûr. Ce n'est pas un raid des sombrages qui a mal tourné. Ouh, j'avais une vue imprenable pendant que les impériaux essaient de me trancher la tête. J'étais là, j'ai vu le dragon réduire Elgen en cendres. Irilet avait raison. Ah ouais. Ah, du coup, elle m'a rien dit. Hey. Alors, Irilet, hein, qu'est-ce t'en dis de ça? Oh. Ah, tu me pousses. Tu veux faire combat de boobies, mon pote? Eh, vas-y, vas-y. Hey, combat de boobies. Il pensa que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas. Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Victime! Victime! T'es qu'une victime! Oui, mon gars. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre renaissance. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Venez. Vas-y. J'ai une armure cloutée, tiens. À quoi elle ressemble? Tenue. C'était quoi ce qu'il m'a donné du coup? Ah bah ça devait être une armure impériale cloutée, d'accord. Ah, j'ai déjà pris sur un cadavre, donc bon, t'inquiète pas pour moi. Allez, vas-y, je te follow. Dis-moi, c'est quoi la peau que t'as sur les épaules? Ah, sur moi, c'est pas de la peau de chat, quand même. Oh, je dis ça, j'ai pas ça pour moi, mais voilà, on sait jamais. Baranga, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant Dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher. Mais oui, enfin, vas-y. Donc là, je sais. Ah, vous vous embêtez. J'ai entendu. Voilà, il faut que j'aille chercher une pierre de dragon. Une pierre de dragon dans le. Entendu, Jarl Baldruf. Vous m'avez visiblement trouvé un bras droit qualifié. Je suis sûr qu'elle s'avérera très utile. Réussissez et il y aura une récompense à la clé. Blancherie aura une dette en garde. Allez, vas-y, va. J'ai envie de voir si je peux voler par exemple. Je suis caché. Non, je suis détecté. On va sauvegarder avant et on va voir si... Ah, ça va, personne ne m'a vu. Je vais piquer les pierres. Les pierres qui valent bien cher et les revendre au marché noir des pierres. J'arrive. Ah non, en fait, c'est des pierres ordinaires. Je crois que c'était genre des grosses pierres de la mort qui tuent, mais en fait, non. Ce ne sont point des pierres de la mort qui tuent. Par contre, comment je fais pour enlever le... CTRL, non, c'est pas CTRL, mage... Ah oui, non, c'est... Loquer le machin... Ah, il y a du ketchup. Ah non, c'est une bière. Hop là. On aurait dit un pot de ketchup. Bon, du coup, ça fait déjà 47 minutes qu'on fait la vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Et donc, on va se retrouver pour un deuxième épisode... bientôt. Oh bah il fait nuit. Bon, on va se quitter sur cette belle aurore boréale. Voilà, regardez, on a une belle aurore boréale là. Voilà, on va se quitter sur ce plan là. Et donc, je vous dis à tous à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez, d'ailleurs, je tiens à préciser avant de quitter la vidéo, si vous avez des mods à me conseiller, par pitié qui n'augmente pas la difficulté du jeu, ça serait très sympathique, où on peut rire, où on peut améliorer peut-être également les graphismes, ça pourrait être super sympa. Donc si vous pouvez m'expliquer rapidement comment on installe la mode et un mode que vous me conseillez, eh ben je ferai sans problème. En attendant, eh ben, moi je vais vous souhaiter tous une bonne soirée, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous avez passé un bon moment dessus. Vous êtes également toujours de plus en plus nombreux sur ma page, je vous remercie de vous abonner, et donc je vous dis à très bientôt, et une bonne journée, et une bonne soirée. Allez, salut tout le monde.